Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça ferait très plaisir. Bonne vidéo! Les dauphins sont des mammifères marins. Les dauphins appartiennent à plusieurs espèces qui font partie de l'ordre des cétacés. Ils ne doivent pas être confondus avec les poissons. L'espèce la plus connue des dauphins, le dauphin commun à bec court, est le grand dauphin. Ce mammifère est doté d'une grande intelligence. Il est capable de se reconnaître dans un miroir comme l'homme, comme certains cygnes et éléphants. Il est aussi capable de faire usage d'outils. Les dauphins sont des animaux sociaux qui vivent en communauté, dans un groupe d'une dizaine à une centaine d'individus. Ils s'entraînent pour la chasse en encerclant les proies et la défense. Par exemple, ils sont solidaires et aident des congénères blessés ou âgés. Je vous laisse avec les dauphins s'amuser, je vous retrouve juste après. À tout de suite! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh. La population des dauphins est en déclin à cause de la surpêche et de la pollution de l'eau. Depuis le XXe siècle, les dauphins vivent presque en paix avec les pêcheurs, mais sa population a considérablement diminué. Cet animal reste très populaire. Les dauphins sont capables d'émettre des ultrasons comme un sonar et peuvent ainsi détecter la présence d'obstacles au loin. Cette particularité leur est aussi utile pour la chasse. Ils peuvent ainsi repérer un banc de poissons hein, ou même de tuer de petits poissons. Le dauphin mange des petits poissons comme des marquereaux, des anchois, des mulets, des sardines et même des petits requins, des seiches, des calamars, du krill et des crevettes. Son espérance de vie est de 55 à 60 ans. Mais en captivité, il est réduit et il peut vivre environ 45 à 50 ans. Cette vie est plus haute pour les femelles. Son poids moyen est de 160 grammes le mâle et 150 grammes la femelle. Sa taille varie entre 1,90 m à 2 m. Une moitié du cerveau du dauphin reste éveillé quand il dort. Comme cela, il continue de respirer et ne coule pas grâce à son autre moitié de cerveau. Je vous laisse avec une petite chanson et je vous retrouve juste après. Ordinateur sur les machines, on passe des heures.
Désolée pour la brusque. Chez les grands dauphins, les femelles mettent au monde de deux à trois petits par an. Le printemps est la saison des amoureux. À la naissance, les femelles sont entourées de deux à trois autres femelles. Elles montent ensemble à la surface. Le petit dauphin sort la queue la première et son cordon ombilical se casse. La femelle pousse rapidement le nouveau-né à la surface pour qu'il puisse reprendre sa première bouffée d'air. Le petit reste auprès de sa mère au moins 18 mois. À la naissance, le petit pèse environ 30 kg et mesure entre 90 et 130 cm. Pour grossir plus vite, le petit dauphin prend le lait maternel pendant plus d'un an. Il nage à côté de sa maman et reste avec elle jusqu'à 4 ans, parfois même 6 ans. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui avec les dauphins. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner, partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous! From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... I want to stop. We can't.